Ouais, toujours là, l'autre. Du coup, j'ai paumé mon repère, je sais plus où je vais. C'est terrible. On va éviter de contrarier le gros truc. Quand il y a une ombre qui passe, c'est inquiétant en général. Ça doit être l'ombre du truc en question. Ouais, c'est ça. Ah, lui aussi, il balance des grenades, des trucs qui explosent. On va éviter dans un premier temps, ce serait sympa. Et on va se recentrer sur notre mission. Donc j'ai un trait bleu là et un trait bleu tout là-bas. Pourquoi on n'est pas allé dans ce trait bleu? Ah si, c'était où on ressuscitait les gars. Ok. Et là, normalement, il y avait un éclat, mais je le vois plus. Et la paire de lunettes que c'est, normalement, on la repère de loin. Là! Ça y est, refocus. The Trebon had found a lens. There was an odd contraption at its center, but they did not know how to activate it. This must be why the Elder had told them that they needed the mutation from the Great Gar. Ah, ils nous gonflent, lui, ils sont deux. Alors on est bien emmerdé, il faudra activer ça, mais on sait pas comment. À l'évidence. Oh, on va les semer eux parce que c'est pas cool. D'accord. Je teste, hein, moi. On me propose. Il y dispose. Oh, ils sont toujours là, on y va. Roulez. Bon, moi j'ai un but dans la vie. C'est récupérer une plante qui pue. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec cette plante qui pue. Objectif 1, trouver une plante qui pue. Objectif 2, en faire quelque chose. Objectif 3, survivre. Ouais, comme toujours. Alors ces arbres, je suis pas arrivé à monter dedans. Et c'est bien dommage. Et comme par hasard, quand je cherche les plantes qui puent, je les trouve pas. Il a fait demi-tour, lui. Non, ça va. Où sont-elles? Parce que si on regarde, elles sont tout le long du passage de cette bestiole. Donc forcément, il a un intérêt avec. Lequel? Je sais pas. On m'a dit que je peux laver des... Oh merde! Je peux laver des plantes comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Parce que ça pue beaucoup. Et une fois qu'elle est lavée, je pourrais la bouffer. Oui! Tant qu'à juger personne. Bon, maintenant les gars, on va s'organiser. Qui c'est qui a la mutation qui fout une flamme? C'est pas moi. Ouais, je vois. Tu vas être le leader du pack. Yaha les gars, venez. Alors on va peut-être tous prendre cette mutation qui est là. Pour être sûr de se faire tous bouffer.
et pouvoir bouffer ces trucs. On est une bonne team de puons maintenant. On est bon les gars. Donc je te reprends toi. Et maintenant on va à la charge. Oui, on va se le faire l'autre. Où il est? Eh machin, regarde, on pue. Alors je sais pas ce que ça fait comme réaction pour les autres. Il y en a qui sont censés être refoulés. Et lui, j'ai bon espoir qu'il soit... Ah, ça passe pas. J'ai bon espoir qu'il soit tiré, au contraire. Qu'ils se disent, regardez ces succulents pas très bons que je pourrais consommer. Et il va nous bouffer. Et nous, on va atterrir dans son bide. Et dans son bide, on va lui voler son ingrédient secret. Puisqu'on est là pour voler des ingrédients secrets. Passez devant, les gars, mais pas trop près. Ni trop loin, d'ailleurs. Où il va aller? Où qui va, le bébé? Où il va? Bon, il... Franchement, il a pas les crocs pour l'instant. Mais ça va pas tarder. On va se mettre en évidence, un paquet nous rate. On est comestible. On est comestible, mec. Il a réfléchi. Oh, c'est nous. Le grand gars. Ouais. Putain, on y est arrivé. On y est arrivé. Prenez tout ce que vous pouvez, les gars. Tout ce que vous pouvez. Vous ratiboisez. On est bon? Alors, ouais, non, parce qu'il y a un peu des odeurs, on va peut-être pas rester 107 ans non plus. Qui c'est qui a la transfo pour faire des jumps un peu plus haut? Oh, les gars, vous mettez de la mauvaise volonté, on va pas y arriver encore. Il y a personne qui a la transfo? Bon, on se casse. De voir la vue d'ici, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible, c'est haut. On aurait pu voir derrière le grand cylindre. Vas-y, ramasse, on n'est pas venu pour rien. Nous. Je crois que j'en ai assez. Quitter. Oh les enfants, vous avez vu comment s'est fait un trou de balle de gare? C'est un petit truc qui pendouille, c'est mignon. Ça va faire mal ça. Ouf. Ok, on est où? On est safe? On est safe. On s'est fait mâchouiller, digérer par le ganda. Et maintenant j'ai une transformation qui va me permettre de j'en sais rien. Je peux faire des petites tornades. Et c'était ma mutation nécessaire pour activer la lentille. La lentille qui est juste à côté, ça tombe bien. Alors si j'active la mutation là-dessus. Bougez pas les gars, je gère. Oh putain! Ça marche! Ça marche! Eh les mecs, c'est pas pour rien que c'est moi le chef des trébums. Excitement rushed through the trebum as the massive lens came to life and started rising into the air. Ah, on va voler. They had to get off quickly. Accrochez-vous les mecs, accrochez-vous. The majestic construct as it rose would be quite dangerous. Ah, j'y vais moi. The trebum marveled at the miracle their ancestors had wrought. What other incredible things had they built that were now forgotten? A question for another day. For now, the Trebum had two more lenses to find. Oh bordel. Alors les gars, j'ai deux nouvelles. La bonne, on vient d'activer la lentille. Wouhou! Et l'autre bonne, ouais j'aime bien annoncer plein de bonnes nouvelles avant la vraiment très mauvaise. Bah l'autre bonne, c'est que le mur magnétique est devenu bleu. Donc en toute logique, on va pouvoir avancer à nouveau. Idée du jour, ne pas se faire prendre en chasse par un imitateur. On va y aller, lui il est furax. Apparemment on lui fait pas peur avec notre odeur de qui pue, c'est dommage. Cette mutation est vraiment très étrange, les amis. La tour est là-bas, on va s'en rapprocher, histoire de pas avoir une mauvaise surprise à l'arrivée. Et je vais changer de trébum en lead.
Qui veut l'idée? Non, pas toi, parce que tu vas faire une connerie. Ouais, mais je te connais, je te connais. Allez, au boulot. De la bouffe. Oui, toujours de la bouffe. Oh, les amis, c'était tordu. Donc, dans ce niveau, pour les gens qui seraient coincés, je répète, spoiler total. Il faut manger des plantes qui puent. Pour manger les plantes qui puent, il faut les nettoyer avec le jet d'eau. Après, vous les absorbez. Après, vous activez le pouvoir, vous vous faites bouffer par le truc, et c'est réglé, c'est simple. Vous obtenez le pouvoir de la tornade. Oh, ça va être pas cool de passer en face, on va faire le tour. Oui, elle m'avait pas manqué, cette musique. Safety first, les gars. Ayez confiance. Hop. Hop. On a le temps. On est zen. On est quoi? On est des trébums. Non, on est une famille. Oh. Et quand on est une famille, on prend soin les uns des autres. C'est important. Hein, c'est important, les gars. Ils sont où? Là. Ouh, il y en a un qui s'est fait cracher par je sais pas quoi. Allez, hop, hop, hop. Au berk. Amenez-vous. On va bouffer un petit peu parce que là on s'est fatigué, on a les papas toutes chaudes à cause du désert, viens là toi. C'est moi qui régale. Vous en voulez encore? Hop là. Et on va regarder où c'est qu'on débarque. Ces plantes, j'ai toujours pas réussi à monter pour les approcher. Et ces graines m'intéressent, je sais pas pourquoi. Enfin j'ai une vague idée mais voilà. Il y a du monde ici, oui il y a du monde. Objectif, on va bientôt le savoir. Tiens je vais récupérer ça. Les plantes sont tombées, dommage. Tu t'arrêtes, toi, hein, tu fais pas de joke. No joke today. Oups. Bon, aujourd'hui, c'est le jour de la blague. Alors, le jour de la blague, en général, on évite de rester sur place. On avance, c'est très important. On avance. Bah, c'est une évidence. Il y en a qui n'ont pas de chance. Et j'arrête les rimes en once parce que tout le monde s'en balance de toute façon. Regardez le gros comme il est énervé. Alors il faut rester dans le périmètre où il y a l'orage magnétique, c'est-à-dire entre le grand cylindre et la sortie qui est potentiellement là-bas. Potentiellement là-bas. Oh là là, attention, il y a des plantes. Putain, bouge, 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 c'est l'apocalypse ici. On va se rapprocher tranquille de la tour, hein. Moyennement speed, il ne lâchera pas lui. Hein. On va passer là-dedans, ça va lui foutre le bordel. Ah non, il y a ça! Il va nous faire démuter lui. Oh ce bordel! C'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Je fais les courses. Pour qu'on aura des soucis après. Ah mais je vous garantis qu'on va avoir des soucis ici maintenant. On a dit pas trop vite mais pas trop lentement non plus. Hein, un mix des deux. Alors j'ai deux tours en face, je sais pas laquelle prendre. Ah celle de gauche. Moi je sais pas. Quelle épopée mes amis, quelle aventure. Quel suspens. On se fait flasher de tous les côtés là. On est trop loin ou trop près? Trop loin peut-être. Merde 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 merde. Le démutator, barrez-vous. Donc bien rester à l'intérieur de l'orage magnétique, tout en prenant soin de pas trop s'en éloigner. Il nous a pas encore allumé lui, on a du cul. Oh yo 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 yo. Restez là les gars, ça va bien se passer, regardez. On va manger un peu, hein. Vous avez faim? Le bon nom nom nom. Ramasse ça, ramasse, ramasse, tout se mange ici. On y va. Oui, on a assez attendu. Ah putain de la flotte, c'est le bordel. Il va falloir vite qu'on improvise un chemin vers une tour adaptée, la bonne. Parce que la flotte, c'est pas notre ami. Alors vraiment pas.
Bougez les gars, bougez. On va essayer de viser la tour de droite. Et on verra si le destin nous mène avec bon sens. Ou si au contraire nous avons fait absolument n'importe quoi. Ce qui serait pas curieux, hein. Bon, l'idée. Regardez-moi ce gros cylindre avide qui broie absolument tout sur son passage et croit qu'on n'a pas compris la manip. Attention, c'est un imposteur lui. Laissez-le dans son coin, il va faire son malin deux minutes, mais il ne nous sert à rien. Et on va continuer à translater. Oui, on translate. On va passer dans les pattes du grand machin. Et on est presque en face de la tour. Donc là, statistiquement, on a moyen de vivre. Je le dis. Oui. Comment ça, la musique est très forte? Mais je m'en fous. C'est un moment apocalyptique. Il faut qu'elle soit très forte pour faire effet. Sinon, vous n'y croiriez pas. Et alors, on serait comme des cons. Les gars, ça suit? Ouais. Oh, qui c'est qui a de la place dans ses poches? Non, mais à part moi. Autant moi qui fais, il y en a marre. On bouge. Chaos est mort. Non. On va aller le chercher. Hein. Ah, on n'a pas le temps. Bah, on le ranimera plus tard. Ouais, on aura plus le temps plus tard. Bah, j'y crois. Non. On est à côté de la tour. On va éviter de faire les cons. Ce serait moche de crever maintenant. On a perdu Chaos, bordel. Ah ouais, non, mais je dis ça, je suis ému. Bah, Chaos, c'était un bon élément. Même s'il n'est pas très... Ah, adieu. Adieu le grand gars. Même s'il n'est pas très enthousiaste, hein, souvent il est là, il fait « Ouais, non, ça marchera pas, votre truc, vous n'êtes pas crédible. » Mais, je vous garantis que si, il y a de la crédibilité. Regardez-moi ça, on a survécu un round de plus. Et là, le cylindre ne pourra inexorablement qu'obéir à mon ordre. Que répondre à mes attentes, puisque je vais lui ordonner, tel le très bon leader que je suis. Là, je vais prendre toi, tiens, ça vient. Viti, vas-y, c'est à toi de le faire. T'es un vétéran, tu sais comment ça marche. T'es prêt? 1, 2, 3. Je t'ordonne de t'arrêter! Hein? Oh putain! Je crois qu'on a un sous-sail. Les gars, qu'est-ce qu'il fout? Be careful, the voice in their memories whispered. The servants of the cylinder were gathering in numbers to hunt and trap the Trebon. Now was the time to seek safety and wait for the hunters to desist. On va passer comme si on n'était pas là, les gars. Oh là là, il n'y a que des machines à débuter. Tracez les gens. Dans le canyon, au fond du canyon, c'est pas grave. Ça fait une grosse descente, c'est pas grave. Rien n'est grave. Du moment qu'on ne débute pas. Alors on a un champ magnétique rouge, ça veut dire qu'on peut pas le franchir tant qu'on n'aura pas rempli certaines conditions. Dans ces conditions, je pense qu'il y a une mutation définitive à acquérir dans pas longtemps. Puisque, je rappelle que les recettes en haut à gauche nous permettent de muter de manière définitive. Oh, ça pue là, ça pue. On va là-bas, ça a l'air plus safe. Enfin, ça a l'air. Voilà, hop, on s'arrête là. Les gars, cachez-vous. Putain, ça nous suit, ça, on est mal barré. Qu'est-ce qu'il croit? Ça croit. Les potes, suivez-moi. Ce niveau a l'air particulièrement tendu, car mal fréquenté. Oh, putain, il y en a encore un, on va encore débuter, les mecs. Ça va pas être cool. Cachez-vous derrière des cailloux, derrière tout ce que vous trouvez. Ça va les gars? 1, 2, 3, 4, on est pas mal. 4, c'est bien, on pourrait être 1. Bon, calmons-nous, on a plein de prédateurs au cul, ça c'est la vérité. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est muter! Non mais, on va regarder dans le grand carnet. Oui, un grand cylindre, il y a forcément un grand carnet. Activez les lentilles restantes. Attention, le danger rôde autour d'elle. Oui, bah, on avait un peu remarqué. Donc, si le danger rôde, ça doit être bien là-bas. Ah, oh, ça nous suit, cette saloperie, putain. On va rien avoir le temps de faire, les gars. Parce qu'avec cette engeance aux fesses, là... Oui, c'est une engeance, hein. Oh là là, il a failli me faire démuter. Il est... Je démute. Je sens que je dé... Oh, je suis un très bon de base. Non, mais bientôt.
à puir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le fait de me faire démuter a cassé le champ de force. Donc le jeu ne voulait absolument pas qu'on passe avec nos mutations comme ça. Et maintenant, il va falloir tracer jusqu'à la prochaine tour, qui va se tabaser par la droite. Oh, il y a encore des trucs à démuter, faites gaffe. On y va. Bip, bip. Tout droit, c'est une mauvaise idée. Ouais, je sais, mais... Ça sera pas la première, ça sera pas la dernière. Arrêtez de courir, les gars, pour prendre des forces. Il va falloir qu'on passe au milieu des plantes trop sympathiques. Oui, les fameuses plantes trop sympathiques. Genre... des plantes d'Afrique. Non, celle-là. Maintenant, faut qu'on remonte, les mecs. Faut qu'on remonte. Faut qu'on remonte. Par où? J'en sais rien. Mais faut qu'on remonte, en tout cas. Ouais, ça passe, là. Hop. Un imposteur. Bon, les mecs, faites-lui pas la bise. Il a le coronavirus. Ah, Rius. Comment je monte, moi? Comment je monte? Je monte en sautant. Ah, mais le cylindre. Ah, mais le cylindre. Allez, le cylindre. Allez, le cylindre. Allez. Allez, tu tombes. Je te remets ici. Ouais. Ok. Les tours en face, il y en a deux. Celle de gauche a l'air plus sympa que celle de droite, finalement, même s'il est près de la flotte. Hein. On va longer, on va regarder. On va attaquer Kalmos. Mais alors, vraiment très Kalmos, regardez. Je suis quoi? Je suis calme. Et j'ai défini que, par le côté gauche, ce serait certainement plus malin que l'espèce de merdouille qu'on a essayé de faire là. Ok, elle est vraiment petite cette sphère magnétique, hein. Il n'y a pas grand chose à espérer. Est-ce qu'on pourrait ressusciter un pote? Je ne sais pas. Qui a de la place dans son inventaire? Tiens, prends ça, toi. Plop. Bah ouais. Toi, on s'en fout. Sans, le truc qui pue, on n'en a plus trop besoin, je pense. Hein. Plop, plop. Au moins, on pourra récupérer des choses plus marrantes. Qui c'est qui le bouffe, les... Oh! Bon, moi, je le bouffe. Bon, les amis, je vous explique. Il y a une tour. On peut prendre celle de droite, mais c'est la merde. Et moi, j'aimerais bien prendre celle de gauche, en fait, parce qu'elle m'a l'air moins... Elle a plus de crédibilité dans sa façon méchante de présenter au milieu d'obstacles. Udada. Observons la situation. Ouais, ça va bien se passer. Ouh, il trace, oui. Non, c'est bon, elle est proche, celle-là. Elle est proche. Regardez, elle est proche. Moche? Non, proche. Peut-être pas trop tarder non plus, parce que voilà. C'est là qui me met un grand lac devant, tu sais, quand j'arrive. On aurait pu faire cramer ça si on avait le temps. Mais on n'a pas le temps. Bon, les amis, j'espère juste une chose, c'est que cette tour n'est pas une fake et qu'elle va tenir. Sinon, ça va être vraiment la pas terrible, quoi. Machin, qu'est-ce que tu fous là-bas? Viti, viti, viti. Rends-toi utile, fais quelque chose de chouette une fois dans ta vie. Je crois que c'était la tour qui avait pété là-bas. On va aller voir ce que c'est. Je suis curieux. On va d'abord péter ça. Éloignez-vous, on sait jamais, les enfants. Et oui, ça fait des kabooms. Alors, j'ai pas trop pigé le fonctionnement de ces plantes. En tout cas, on se sent moins menacé ici, ça va. Alors, à quoi ça sert? Hein? Je peux pas y aspirer? Non, je peux pas y arroser. Pardon. Faudrait qu'on se lave, on pue, les gars, un peu, là, non? Je sais pas à quoi elle sert, cette plante. Elle sert à rien, pour l'instant. À faire parler la curiosité. On va aller voir ce truc, là-bas, parce que, du coup, on l'a éclaté. Enfin, il s'est éclaté tout seul. Il y a peut-être un petit cadeau à la clé. Un petit cadeau. Pour Bibi et Frifri et Lily et Riri. Non. Ok. On va aller activer cette lentille dans le doute. On va reprendre des ingrédients ici. Ça, le truc qui pue, je crois pas qu'on en a encore besoin.
En tout cas, c'est très bon à manger apparemment. Et j'ai récupéré de ça par contre pour faire ma mutation à la con. Attention, il y a un verre. Oui, c'est comme dans Dune. Oh putain. Attention, il y a un verre. Oh putain. Les gars, il m'a embarqué mes potes. Oh, on n'est pas si tranquille que ça les mecs, hein. Moi je vous le dis. Mute. On se retrouve à deux. Si je suis déçu, mais grave. Et du coup, mes collègues se sont fait embarquer avec leurs ingrédients. Ça m'arrange pas ma petite soupe, ça. On va se baigner un peu parce que enfin, je vois bien. Ah, fais du bien, papate. Il est où, mon pote? Je suis tout seul. Non, c'est bon. Arrive. Allez, on est bien là, hein. Tiens. Bon, c'est joué, on y va. Alors, il y a un cadavre du truc de tout à l'heure, quoi. On ira voir après aussi. Il y a trop de choses à voir, les gens. Alors, je réitère, hein, c'est une des qualités du jeu. Ils sont trop. Ils sont too much. Ouais, ce côté complètement taré. De tout le temps vous donner noir de choses à faire, mine de rien. Parce que... Ah, il est mort de chez mort, lui. C'est quoi, ça? Ah, moi, je slurpe, c'est du slurpe. Ah, je suis comme ça, on m'a élevé comme ça. Je suis un très bon, et une famille aussi. Oh, regardez les plantes, elles sont accessibles comme ça, maintenant. Bon, on n'aura pas besoin, hein. Dites-moi pas ça, on verra plus loin. Les gens, sérieux, les gens, foncez sur ce jeu. C'est une magistrale schkaff dans les standards de jeux vidéo, quoi. Les gens qui nous font chier depuis des décennies avec des FPS, des casse-têtes, ils peuvent aller se coucher. There was no telling what kind of danger lay under the dunes of this desert. Oui, mais est-ce que j'ai ma transfo pour you know? Non. Viti, viens là. Oui, le bon sens voudrait que je turbine ça. C'est bon. Ouf, on n'est pas passé loin, les gars. Ça va bien se passer, les gars. On gère, on gère. C'est bon. Non. Ouh, le vilain Wad. Ouh, le vilain Wad. Elle est où, la bouboule? La bouboule, la bouboule, la bouboule. Ah là 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 là. Hop, sur le Wad. Ça marche. La bouboule sur le Wad. Là 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 là. Baoum! Ah, tombe pas d'or! Bouboule! Bim! It's cool, it's cool. Oui, Mr. K, the plan. Mr. K, always has the plan. Bouge. Elle passe où, la boule? Ah, pète ce truc, pète ce truc. Ou alors pète celui-là, je sais pas, fais quelque chose, bouge. Oula, oula, tombe pas dehors, tombe pas dehors, tombe pas dehors du truc. Pitié. Ah, ah, ah. Bim! Oui, je vais lui faire lâcher ce truc, je vais lui faire lâcher, je vous le garantis.
Where is the ball? The ball, give me the ball. Non, non, reviens la ball. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui, dessous? Oh, c'est dégoûtant. Yes, 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 yes. Il reste? Where? Lévitation, j'écris ton nom. Où on va? Oh merde, on est tombé du truc! Bouge! Mon pote. Je suis tout seul! Non! Mais non! Ah, tu pues! Cette frayeur! Faut qu'on trouve un œuf, les gars. Non, c'est pas tu pues qui va y aller, il est pas en forme. Viti, allez, Viti qui s'y colle. Viti qui s'y colle, Viti qui s'y colle, parce que l'œuf, il doit être planqué quelque part là-dedans. Il doit y avoir bien entendu de ces sales plantes dégueulasses qui nous ont fait la misère tout le long du jeu. Et ne manquerons pas de continuer là. Bah oui, pourquoi elle s'arrêterait? Quelle grosse va, non? Ah! Il nous faut des friends. Oui, beaucoup de friends. C'est important. Merde, j'ai foutu un coup de tornade là où il fallait pas. Je suis con. Pousse-toi! Oh les amis, que d'émotions, si peu de temps, ça y a des moments où on stagne un petit peu dans ce jeu, mais il y a d'autres moments, c'est la fiesta, hein. Govoon, non, on va te changer ton nom, et tu vas avoir un nom de streamer très célèbre. Et j'espère que tu nous porteras chance. Oui, Mr. KV, tous les enfants rêvent la nuit. D'ailleurs, il va faire un peu les courses, vu qu'il est avide, le pépère. Et il va faire bouffer toute la famille. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ah, j'ai une autre lentille là-bas. Bah, faudrait que je l'active. Cette activation de lentille, en tout cas la première là, a été... J'ai pas d'humour pour ça. C'est le nerf. Hein? Monsieur K, le nerf qui lâche. Non, un peu. Non mais ce jeu est complètement barré, quoi. En plus, on reconnaît à la musique les différentes menaces qui nous partent après. Ah, pas lui. Faut pas que je perde de vue la lentille, sinon on va être dans le... dedans, quoi. Gros comme il est, il pourra jamais se déplacer. Oh putain, pas ça. Faut pas qu'on prenne le truc qui démute non plus. Et il y a beaucoup de choses, hein. Je suis en mode faux pas, quoi. Un faux pas et c'est mort. On roule, les gars. Faites comme papa, on roule. Vous avez vu comment on l'a lourdé? Ouais, il a rien compris de sa vie. Vous voyez tout cela? Il y a des retardataires quand même. Hop, 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 c'est bon, ils suivent. On va aller voir cette lentille quand même. Hein, c'est la première chose pour laquelle on va s'inquiéter. Et puis on va habilement développer une sorte de... un début de stratégie. Une potentielle hypothétique façon de faire. Qui c'est qui a la mutation Fire? Vous savez, celle qui est marrante. Oh, fetch. Ouais, c'est coincé à cause de ça. Donc il me faut la mutation Fire, les gars. C'est important, c'est quand? C'est maintenant. Des fois ça arrive, ça merde, c'est pas la bonne. Yes! Éloignez-vous, ça pète. Venez là. Ils sont un peu couillons des fois. Il y a le tornado, ça doit être lui. Ah merde, ça passe encore. Et là, il y a, venez là, viens. Alors on se fait pas emmerder par les grosses créatures en forme d'autruche cette fois, c'est cool. Vas-y MV, fais-nous voir ton talent. Tu as tout talent.
What's happening now? Oui, on va reprendre une V. C'est lui le héros de la partie. Est-ce qu'on va enfin pouvoir l'éviter, les gars? Les gars, j'ai un doute. Non, attendez, j'ai... trop tard. Another lens began rising into the air. To think their ancestors had created such things with ease. Perhaps one day they would regain this knowledge and create miracles of their own. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un trébum qui est accroché dessus. Est-ce qu'il va me le tuer? Oui. Ah. On a la réponse. Oh le gada. Bon, on va bouger maintenant, je crois. Venez, viens, my lord. Vous avez bien bossé. On va aller voir le truc bleu. Pourquoi? Parce que on va ramener des gens à la vie. Si c'est un hôtel pour ressusciter. Ah, il y a eu un truc par terre. J'ai marché dedans, faites gaffe. Pour ça qu'il faut mettre des pantoufles quand on marche dans le désert. Vite. Ramenons des gens à la vie. Alors, je peux ramener à la vie que ceux que j'ai sauvegardés. J'ai oublié de sauvegarder Chaos et compagnie, zut. Il y a Wem, je vais ramener Wem à la vie. Parce que Wem, il est cool. Ah, mais je peux ramener Chaos. On va ramener Chaos. J'ai assez de cristaux, j'espère. 5, tout rond. Bon, j'ai plus assez de cristaux pour ramener qui que ce soit maintenant, la vie. Ça va être chaud. Le sol tremble ou c'est moi? Hop, hop, hop! Cette mort est sponsorisée par Denis Villeneuve. J'arrête, je peux plus là. Alors, reprenons. Le champ est bleu, si je ne m'abuse. Enfin, il est loin en tout cas. Et on peut réactiver l'éternel cylindre. Moi j'étais parti innocemment préalablement. On est combien? 1, 2, 3. Tupu, Viti, les vétérans. Et Mister KV. Oh putain. Et je disais donc, bah, où qu'on soit, on est tout le temps sous la menace d'une mort surprenante, ou ridicule, ou humiliante. Et j'ai plus mes cristaux du coup aussi, je les ai encore. On va faire ça vite et on va bouger. Mais le coup préalable de s'être fait bouffer après avoir ranimé un joueur, ça m'a fait rigoler. Jaune, et ça m'a fait rigoler. Et là on bouge. Les gars, suivez-moi, comprenez pas, cherchez pas à comprendre. Bougez. Move with daddy. Est-ce qu'on va traverser le mur bleu? Non, on va réfléchir d'abord, parce que c'est important. On va essayer de trouver des ressources et on va identifier où se trouve la tour. Putain, y aller. Un imposteur, les gars, un imposteur, vous laissez pas. Oh, ça va être la chaise. Oui, la chaise, encore un imposteur. Ah, mais c'est le pays des imposteurs nouveaux. Ça va être triste. Les gens, j'ai pas vu la tour. Je sais pas où elle est la prochaine tour. J'ose pas toucher le champ magnétique, ça va être le bordel. Faut qu'on se rapproche d'une tour. Inexorablement. Elle est plutôt à gauche, on va dire. J'ai cru voir là-bas. Laissez-le y croire. Laissez-le y croire. Il est dans ses fantasmes. Il est dans le déni. Je crois qu'on a balancé une machine à démuter dans le coin. Faites gaffe aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Restez cachés, restez cachés. Bougez maintenant, bougez maintenant. Bougez maintenant. On va aller dans le fog. Et je pense que c'est par là qu'on trouvera cette fucking tour. Avançons. J'y crois. Ça, on dirait une tour là derrière. Merde, c'est un gros carré. Oh, il y a eu un mort. Mister KV est mort. Attends, on va le ranimer si on peut. Non, j'ai pas de thune, désolé. On y go, nous, parce qu'on n'a pas que... Ah, allez, à gauche. Ouh, ça sent le just. Ça sent le just. Oui, tout le monde rush. Tout le monde rush pour sa life. Alors, on est large, mais purée. On a encore perdu des membres.
Ça va mal se passer à ce rythme-là. Chaos, ramasse des trucs un peu au lieu de faire le con. Merci. Bon, on va aller dans la tour là. Ouais, on va y aller parce que sinon il est pas loin là. Bon. Bon, ça va. On va l'observer. Non, on y va. Oui, je ramasse ça, c'est important. Et comment ça, tout le monde a faim? Bah oui, mais moi aussi j'ai faim. Oui, il me faudrait un sac en papier pour respirer là. Et on est encore dans une zone désertique, ça va être le bordel. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ici? On n'a plus le moindre cristal pour ranimer qui que ce soit. Sur les recettes, on n'est pas bon. Tiens, d'ailleurs, faut que je regarde, ça fait un moment. Arbre de mutation. Qu'est-ce qu'on a en stock? Bah, lui, je l'ai en stock, mais il manque de cristaux et... Oh, un petit bonhomme comme ça, on n'en a pas vu depuis longtemps. Il me faudrait de l'ombre comme ça. Alors ça, je sais où y trouver. Et ça... On a ça, mais il nous manque ça, et dans le désert il n'y en a pas. Et ça, dans le désert il y en aurait, mais on n'en trouve pas. Et ça, c'est... Oh, ça va être la même... Très dur. Ça va être très simple, par contre. Les amis, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je commence par lesquelles? Les bonnes? Ouais. Ce désert est à nous. Je peux enchaîner maintenant. Et les mauvaises? Ah, les mauvaises. Ah, les mauvaises, il en faut, quoi. C'est que, comment dire, ce désert est peut-être à nous, mais on va peut-être pas y rester longtemps parce qu'il fait vraiment chaud. Et je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre des trucs pleins de chaleur. Mais vraiment marre. Je regarde s'il n'y a pas un œuf qui traîne, un pote à sauver. Ah, s'il veut des diamants, c'est pas possible. Désolé, on n'a pas d'argent. Non, on est fauché, je suis désolé. Et ouais, next time. C'est vraiment pas de bol. Alors là-bas, ça chasse. Et ça chasse bien, quoi. Regardez-moi ça, comme ils sont coursés par le gros baveux. Tiens bon, petit pois, tiens bon. Ah, c'est pas gagné, ils sont deux, mais ils vont se faire défoncer, quoi. On a une étendue de flotte droit devant. Donc, avant de ranimer le cylindre, on va essayer de réfléchir un peu. Apparemment, il y a une passerelle, là, ça passerait. Et on a un énervé aux fesses, donc on va pas rester longtemps, parce que moi, les énervés, franchement, ça m'intéresse pas. Il a l'air épuisé, le mec. Vas-y, tente ta chance. Non mais tente ta chance, je te le répète. Est-ce qu'on va passer au milieu des créatures pendant que le cylindre va se mettre à rouler? Mais carrément, carrément les amis. On est quoi? On est des trébums? Non, on est une famille. Wouhouhou! Go! Jamais. Alors le terrain avait l'air vachement plus dégagé de là-bas, hein. Je veux pas dire, mais voilà, c'est... on va avoir un petit moment de souci, je pense, un petit moment de doute. Après il y aura un gros coup de chaleur et... Oh, un cylindre. Roule. Alors laquelle des deux tours est la bonne? Pff, moi je dis celle de gauche, hein. J'aime bien... J'y crois. La 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 la. Quel air dégagé, complètement fin. Non, regardez. What's happening?
Oh putain, le revoilà lui, avec sa jambe en Patrick Dufy, faites gaffe. Non, 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 tracez. Tracez les mecs, croyez-moi. Pourquoi tracez? Ayez confiance. Oh, il a pété la colonne, j'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde de tracer. Elle est où la suivante? La suivante, where's the next tower? Are we gonna die? No, never. Ah, il y a l'autre colonne là-bas, elle aurait pu le retenir ce truc. C'est dégoûtant. Le grand architecte, c'est vraiment une fripouille. Jouer une colonne là-dedans, j'ai l'impression. Ouais. Ce n'est pas qu'une impression, regardez. Hop là. C'est là qu'il va y avoir une grande falaise avant la colonne et on va être vraiment, vraiment dans le stress. C'est vraiment le gros quoi. Celui qui pique, celui qui fait un peu mal. Non, c'est bon. Je gère. Est-ce que monsieur K gère? Oh, on s'en fout, on va démuter, mais on n'a pas le temps. Là, on avait déjà assez d'emmerdes, des filles. Hop, hop, hop. Roule. Elle est où cette colonne? Je la vois plus dans cette purée de. Là. Qui c'est qui a encore. Poussez-vous. Même un petit truc comme ça, ça me fait obstacle, j'y crois pas. Avance! Ça va être timé chaud chaud là, je crois. Mais pourquoi tant de sueur? Nous, petite rébum, aimable, adorable, on pourrait avoir des poils tellement on est cool. There it was. Floating above a towering pillar was one of the lenses that the Trebum had activated. Would the lens be able to do what the Elder had promised him? Could it really help power a nearby palace? On va bouger les gars, sinon on va se faire grenader la gueule. Objectif number one, recruter, recruter. On est vraiment pas assez nombreux là. Il faut qu'on ait des potes. Viens là le verre. Faut qu'on soit une famille, une vraie, une grosse. Ces arbres, j'ai toujours pas réussi à grimper dessus. Ne pas rester statique. Oui, dans le désert, il y a des vers. Les Fremen en savent quelque chose. Et nous aussi, on se tape les mêmes. Donc, on va éviter de ne pas bouger. Ça pourrait être méchant, tragique, triste. Et toujours avec ce petit côté pathétique. Alors, change de bonhomme, c'est pas grave. Ça, c'est bien pour le. Quand un perso se pointe dans le décor, vous pouvez changer et il reviendra. We'll be back. Ouh, un temple! Le Temple of Love. Monsieur K, tu mélanges tout. Ouais, alors on a un temple, plus. On arrive après nous. Plus, un truc pour se up. Est-ce qu'on va se up? Ah, il y a intérêt. Il y a intérêt. Ça brille là-bas. Non, c'était juste un reflet du cylindre. J'ai failli me faire avoir. On s'en fout, nous, on va dans le temple. Projection shared a recipe with the Trebum, one which could protect them from the light of the cylinder's servants. Ouais, mais dans les médias, on en a pas besoin, ça, les gars, non? On se barre, les gars. On va aller voir l'autre truc. Oui, je parle beaucoup en truc aujourd'hui, mais. Comprendre que la définition de cet environnement, parfois, tout le temps, en permanence, mutant et étrange, ça peut mener à une panne de terme. Oui, on arrive. Ah, ça nous appelle. Tu viens? Il vient de pêcher la membrane avec nous. Qu'est-ce que quoi? At last, victory was achingly close. Il y a une plateforme. Three towers waited patiently for the lenses. All the Trebum needed to do was climb each one and pray that the wrath of the cylinder would be kept at bay until they were done.
J'ai de la place à monter, les gars. Où on va? Je ne sais pas. Et pourquoi on y va? Parce qu'on est des trébums. Non, on est une famille. J'interagis avec le rayon. Et regardez, le rayon veut que je... Oh. Faut viser là-bas, regarde, ça se voit. The ancient device still worked. And the two other lenses that the Trebum had so painfully managed to lift into the skies? Yes, there they were, just waiting for our little heroes to reach them. Mais tout cela a l'air très simple, les amis. Il y a un œuf qui est planqué là-bas, apparemment. Il y a quelque chose là aussi en bas, apparemment. Oui, je suis plein de luxe. Ah, je voulais prendre la plateforme pour descendre. On va aller voir. Aïe. Alors, il va falloir que je songe à muter et essayer d'acquérir des mutations permanentes. Ah, c'est pour traverser en face. Cool. Alright, on ira après. Vous voulez y aller tout de suite? Il n'y a rien à faire en face. Bon, on va voir. Curiosité, tout ça, vilain défaut. Ouais, je suis totalement d'accord. Y a pas des poiscailles à bouffer pour qu'on mute en poiscaille au cas où on tombe dans l'eau. Cool. Plop. Cool. On peut ranimer un allié avec une décharge électrique, ce sera plus économe que claquer des... Venez les gars, je vous emmène. Là-bas, je suis pas très sûr du coup que c'était un œuf à Trebum, mais bon, c'est pas grave. Faites comme moi. Plus vite, encore plus vite. Ah bon, on y va, on va pas se mouiller les pattes au moins comme ça, c'est cool. Attends-moi. C'est quoi ça? On en a jamais eu encore. Faut un début à tout. Qui c'est qui se sacrifie pour goûter? Ah, c'est pas moi. Ah si. D'accord, le truc qui attire les mouches. Bien. C'est pas très... C'est pas très euphorisant, mais... Ce sera toujours mieux qu'un coup de pied dans les boules, comme on dit. On y va, les gars. Notre plateforme est toujours là. Ouais. On a cet ingrédient. On va essayer de le garder. Il pourrait servir à quelque chose. Je regarderai dans le grand tableau plus tard. Mes potes sont pas doués pour comprendre du premier coup, mais c'est pas grave, on y va. Je les largue. Oui, je les largue, total. Il y a un moment, faut savoir s'activer. On va faire tout le tour comme ça. Certainement, ouais. Hop, hop, hop. Attends. Ah, ils sont cons, mes potes, aussi. Alors, je crois qu'il y a des fake Trebum dans la flotte aussi, hein. Faites gaffe. Ça a l'air bien, ça. Qui c'est qui m'aide? Qui c'est qui me fait la courte? Ah, c'est bon. Ah, j'aime bien muter, moi. La mutation, c'est mon vrai dada. Je vais essayer de garder un masse d'ingrédients différents, mais il faut que j'augmente ma troupe pour augmenter nos chances de trouver un ingrédient unique, spécial, qui a un fonctionnement un petit peu plus cool que la moyenne. Allez, go.
j'en ai un qui tire les mouches, il est où? Non, c'est pas toi, c'est le dernier. Alors celle-là, elle est pas active de tour, apparemment, je pourrais jamais monter dessus pour l'instant. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre d'actif du coup? Ah, il y a un nouveau radeau là de ce côté. Ouais, je chope ce poisson. Oui, ça nous fait une petite transfo sympa. Et on est reparti pour un petit tour de radeau. Quand on est arrivé, ça n'avancera plus. Oh, je pourrais nager jusque là-bas, c'est trop loin. Vide très bonne. Nous voilà! À côté de cette structure, est-ce qu'on pourra monter sur les dalles? Ça, vous le saurez tout de suite après cette coupure pub. Dalles qui sont coincées tout en haut, qui ne veulent pas descendre. Et il y a un tuyau là. Oh, on va regarder comment ça se structure. Quelle est cette blague? Et si c'est la tour où j'étais, je vais sauvegarder et puis je ferai une petite pause là, on prendra un peu plus loin. Ou un peu plus tard pour moi. Waiting to be awakened. Only one more struggle across sand or water, and they would have achieved the task they were entrusted with. It was exhausting, but the memory of the two brothers of the desert gave them the strength to keep going. Oh, sur le tour à pince, c'est pas grave. On y est. Oh, les élévateurs marchent, ça c'est bien. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Il se rapproche, j'aurais pu fuir. Et que croyez-vous qu'il arrive à... Bah, je sais pas, moi.
En fait, faut tirer où il y a le cercle bleu. Il a un trou dans son shield. Je pense que c'est ça. Ah putain, non, c'est pas ça. Si. Ça s'est passé par miracle, on va dire. Non. One of their most dangerous enemies lay dead. The eternal cylinder was immobile and quiet in the distance. The floating palace where they had expected to dance and sing for all those left behind was out of reach. And then came a call. It was very subtle and weak at first, but grew stronger and stronger. Was it the ones trapped in the cylinder calling to the treble? Was it the voice and their memories urging them on? The portal into the cylinder's dreams lay open. They had not yet reclaimed all the abilities of their ancestors. Wandering that strange world once again would take great bravery. But with all they'd been through, they had gained the courage to do what needed to be done. It might be reckless, it might be dangerous, but they had to step inside one more time. Et c'est sûrement le passage pour entrer dans la boucle infernale du grand cylindre. Alors je suis tout seul, hein, tous mes acolytes sont morts. Oui, il y a eu des victimes dans cette guerre. I've isolated the final treble memory cluster.
The Trawala clusters have been ejected, but the cylinder is trying to compensate. It was clear that the voice was getting weaker. Le manimaticien est mort. What had happened? How long had they been in the cylinder's mind? It had felt like a short time to the Trebon, but when they returned, the world had changed. It seemed as if parts of the cylinder itself had spilled out, its dreams corrupting the land. Il y a un visage là-bas. The cylinder lay still, but there was no sign of the mathematician. Non! Si! Alors on bouge! The cylinder kept moving. Attendez, attendez, attendez. Ah, c'est un de ces passages où il faut bouger, mais pas trop trop. It was eternal. Its servants were only tools. If they broke, they would be tossed aside. Ça va falloir bouger quand même, quoi, parce que le cylindre, je pense pas qu'il va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on aurait à bouffer dans le coin? Ah, faut que je mute, moi. Ça ne se mute pas, ça. Ok, non mais je note, j'apprends vite. Qu'est-ce qu'est comestible? Ça se mange? Ça se mange pas. Tu veux aller où déjà? À une autre tour? Ok, elle est où? On sait pas. C'est la panique. Non! Mais ça va pas tarder. Ouais, non mais ça va vraiment pas tarder. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, prend des forces, c'est très bon, on aura besoin. Et avance! Oui, on mutera une autre fois. Il y en a, ils meurent un autre jour, nous on mute une autre fois, on est comme ça. Faudra que je me repère une tour, un pylône, n'importe quoi qui puisse stopper la course de ce cylindre, puisque... Même si pour l'instant, il faut que je reste plutôt près de lui. Et il va falloir inaugurer un règlement que je passe dans une tour. Car si pas de tour, pas de stoppage de cylindre. Et si pas de stoppage de cylindre, grosse cacarella, quoi. Oui, une cacarella. C'est le bon terme. Alors j'expérimente, je bouffe, hein, j'en profite, on avance bonhomme. Y'a rien qui se bouffe là. Où je vais, je sais pas trop. J'ai une approximation d'idées, on va dire. Et je suis tout seul alone, oui tout seul alone. Mes collègues sont tous maors. Et ça c'est moche. On avance gros. On arrête de muter là, c'est plus la peine. On a passé le temps pour ça. Il y a un moment pour muter, c'est quoi ça? Et il y a un moment pour rouler. Là t'es pas loin du moment pour rouler tout pour moi aussi. Oh regarde une statue du mathématique. Oh les trucs qu'on aime pas aussi. Et cet endroit, c'est... J'ai un nom pour ça. Ça s'appelle l'enfer. Oh putain, on va en chier, je vous le dis. Toujours pas repéré de tour. L'autre qui s'est fait un éclair. C'est quoi ça? Je sais pas, je veux pas le savoir, on y va. Ah, y a ça, ça pourrait me prendre en stop, ce serait sympa. Les gars, une tour, vous avez ça dans un coin?
Non, c'est jamais. Il s'est encore fait shooter. Cette avancée du cylindre n'a pas l'air d'être prévue pour s'arrêter, quoi. Je sais pas si je me fais comme blague actuellement. Mais j'ai peur. Oui, I am afraid. Je crois qu'il est en train de s'énerver là. Towers had fallen and the light was lost. There was no more point in running. The cylinder would consume everything. Ah bon, on va tracer. Alors apparemment j'ai raté une des tours qui aurait pu l'arrêter, mais j'en ai pas vu, hein, très honnêtement. Et donc on va tracer comme des U. Des U. Qu'est-ce que c'est que cette grosse boule? Y'a un blob. Eh mec, c'est quoi votre blob? Ah, je saurai jamais. Je vais tomber dans le... Non. Je saurai. I will know. Life will find a way. Des life will find a way, regardez. Non, on tombe pas trop bas quand même. Oh, c'est magnifique. Regardez cette mort exceptionnelle. Les amis, on reprendra plus tard ici. En tout cas, The Eternal Cylinder, même quand c'est fini, c'est pas fini, puisque j'ai cru que ça allait boucler le jeu. Et en fait, non, pas du tout. Il y a encore quelque chose. Je suis Monsieur K, vous êtes bien dans The Big Gamowski. Et ce damné cylindre, on va percer son mystère. On va le réduire à néant. On va anéantir sa course maléfique. Et sauver toutes les petites créatures qui, comme nous, cherchent la vie paisiblement.